lancé 2001 qui s'appelait pas 2001 à la base, qui avait pas de nom. C'est vraiment cet échange entre, ces prods, ces instrumentales que j'ai entendu de Yanis. C'est pour ça que le projet s'appelle Long Joe Meets Rock Radio Hermès. C'est vraiment une rencontre entre moi, mon travail de vocaliste, de parolier, et ces musiques qui génèrent, et c'est le mélange des deux qui crée ces chansons. Si tu n'as plus envie d'attendre, ce qui t'appartient, il faut le prendre. Yeah. Si tu n'as plus envie d'attendre, ce qui t'appartient, il faut le prendre. Et prends-le, Sylvain, prends-le. S'appelle 45 Experience. C'est principalement des musiciens basés sur Annecy, dont Yanis, le producteur qui joue la basse dans ce projet-là, dans cette formation-là, et Luc au saxophone qui joue du sax aussi sur le EP, Étienne à la batterie, Hélène qui fait les chœurs, Adrien au clavier. Et le guitariste, pour le coup, alors c'était Sylvain Saint-Giorgio, aussi guitariste d'Herbaliste. Pour la suite, je sais pas, ça va être en fonction de ses disponibilités. Certains ont bien fini par mettre de côté leur vie, se retrouver devant le maître à sauter, devoir laisser tomber, renoncer, anéantir. Il y a plein de manières de présenter le projet, sous différentes formations, des formations plus légères ou des formations vraiment full band, vraiment avec l'orchestre. L'idée, c'est de faire véhiculer cette musique. Dans le chaos général, son vise vers le haut, suis ton étoile. Dans le chaos général, ne va pas céder à l'appel du cardinal. Dans le chaos général, où scintille le faux, plane l'immoral. Dans le chaos général, sourire d'escroc, poignée de main glaciale. Général, son fils vers le haut, suis ton étoile. Dans le chaos général, ne va pas céder à l'appel du cardinal. Et ton pire ennemi, c'est ta peur quand tu la suis, en faisant bande à part à l'écart d'autrui, car barrière et rempart attisent le conflit. Prends part à l'envie, tiens la barre de ta grande. Serre les liens et diversifie. Courageux qui a son cœur se fie. Pour moi c'est de la chanson sur des arrangements reggae, mais au même titre que les morceaux de reggae sont des chansons. Maintenant peut-être que oui, le travail par rapport à la langue française fait que c'est peut-être plus assimilé à de la chanson, parce que j'ai un certain soin pour le texte, pour des choses plus écrites. Tu es parti, personne ne sait si tu reviendras. Tu as fui en portant mon cœur avec toi. You steal my heart away. What am I supposed to do today? Steal my heart away. Les jours ne sont plus les mêmes. Tu as quitté la ville, non. Je n'ai plus de repères. Je n'ai plus de repères. Les choses ne sont plus les mêmes. Depuis que tu as quitté la ville, non. J'erre et je me perds. Tout m'indiffère, il n'est rien à faire. Si nos chemins venaient à se croiser, pourrait-on recommencer? Table rase du passé, oublié, puis recomposé. On essaie de faire un album très varié, même si vraiment ce sur quoi on s'est retrouvé et ce qui fait vraiment notre base musicale, c'est le reggae. Et on essaie d'amener ça dans un sens le plus large possible. Confusion in the land, drop your weapon, the only solution, everybody calm down. Confusion dans ma ville, restons tranquilles. Passons le nombril et tous ces conflits. Confusion, so much different things are happen. What a confusion, situation getting rotten. Let me tell you, don't panic, come the frantic. Love is the message we've sent across the planet.
Ah, show down the arms and come. Ah, no hypertension done. No high blood pressure gone down. Living together is not about fighting. Keep calm and carry on. Life always a go on. No matter how you see them a go on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. No matter how you see them, I want. Keep going and carry on. Moi j'aime bien l'idée, c'est ce que je trouve intéressant de, dans la musique par rapport à mon travail par exemple en tant que peintre, c'est qu'avec la musique on est obligé de se confronter à d'autres personnes, donc moi j'ai du plaisir à travailler avec différents guitaristes ou différents musiciens en général. J'ai du plaisir à voir comment aussi chacun arrive à se réinterpréter une partie de mes compositions et celle de Yanis. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Demi-lune, c'est la moitié de lune, ou aux lunes, qui va sortir bientôt. On a déjà une vingtaine, de, si ce n'est plus, de maquettes qui sont quasi abouties au niveau de l'écriture et au niveau de la production musicale. Après, il y aura des choses à rajouter, des percussions, du cuivre, des solistes, au niveau instrumental qui vont se placer dessus. Mais on a déjà de quoi faire derrière, c'est sûr. Ça fait déjà longtemps, longtemps que j'attends ce moment. Être avec toi tout simplement, pouvoir te serrer tendrement. Ça fait déjà longtemps, longtemps que j'ai ce sentiment. Quand tu pars, je ressens un pincement, et je suis pas seul apparemment. Donne-leur du style, Luc. On finit comme l'intro. Hey. Reste à mes côtés, parfumer mon oreiller, s'aimer se l'avouer, savourer tes baisers. Reste à mes côtés, s'effondrer puis s'éveiller. Après je dois filer, des news à imprimer, mais attends qu'il y a avant.